Coucou les choucrouloutes, bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Cass Story. Je sais que d'habitude je ne fais pas de facecam, mais là je voulais juste vous expliquer vite fait avant que la musique et tout team défile que j'ai demandé aux gens sur Discord de me dire quel genre de famille ils voudraient que je fasse pour rigoler un peu et pour avoir quelques petits défis ici et là. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc la famille que je vais vous présenter là est une famille proposée par Catilina. Et vous allez voir que Katina a des goûts tout à fait particuliers. Bref, comme d'habitude, vous pouvez voter en haut à droite sur le petit pour me dire si la famille vous plaît ou pas. Elle est évidemment dans la galerie. Mon idée origine, c'est Lupina. Et pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, mais qui n'y connaissent rien, vous inquiétez pas, mercredi, il y aura un tuto qui va sortir dessus. Comme ça, vous pourrez tout savoir et être super calé dans ce truc là. Bref, j'arrête de parler, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle et je vous laisse avec la vidéo et je sais pas ce que je fais avec mes mains. Sur ce, amusez-vous bien. Me voilà donc à faire le garçon. Donc c'est un jeune homme fort séduisant et surtout fort intéressé par l'argent. Il s'appelle Brian Sustomblé, si je ne me trompe pas. Vous verrez ça à la fin. Donc Brian est quelqu'un de très 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 matérialiste et de très orgueilleux, donc enfin, pas orgueilleux, avariste, pardon. Il veut de la thune, hein. Clairement, il veut de la thune, et il est vraiment prêt à tout pour ça. Et qu'est-ce que je veux dire par tout? Bah, par exemple, se mettre en couple avec quelqu'un qu'il n'apprécie pas plus que ça, mais qui est riche. Et oui, Brian est une grosse michto! Voilà, comme vous pouvez le constater, je l'ai fait quand même assez canon. Et on va passer à son épouse, très très belle. Donc en fait, j'ai voulu. Enfin, Catilina m'a dit de faire une bourge botoxée, vous savez, un peu comme on en voit souvent. Donc je voulais la faire très âgée au début, puis après je me suis dit qu'elle était trop ridée et qu'avec le Botox, elle devrait avoir quand même un peu de moins de rides. Donc au final, elle est jeune adulte. Je repasse vite fait sur Brian pour lui mettre les dents du bonheur. Là, on passe au maquillage. Je vous ai un peu abrégé tout parce que j'y ai passé des plombes et des plombes. J'ai tourné pendant presque 1 heure quand même pour faire 2 Sims. Quand j'hésitais entre rouge et blond, finalement je l'ai mis blonde avec sa perruque, évidemment, la jupe léopard. Qu'est-ce qu'une MILF, enfin plutôt une cougar, enfin, c'est même pas une cougar, c'est juste une meuf chelou. Qu'est-ce qu'une femme âgée, botoxée, sans la jupe cougar? Restons dans le cliché jusqu'au bout. Elle est sûre d'elle, matérialiste et snob. C'est génial, je n'oublie pas les diamants, évidemment, parce que c'est important, ma chérie, de montrer ses diamants, hein. Bah oui, hein. Et d'ailleurs, elle est maquillée tout le temps, même pour le sport et pour la piscine, avec ses lunettes Dolce Gabbana à 3 000 $ le verre. C'est abusé. Vous pouvez voir que j'ai pas non plus trop exagéré sur les traits de son visage, c'est-à-dire qu'elle a une grosse bouche, certes, elle a les joues creuses, les pommettes qui sortent, mais j'ai pas voulu non plus trop en faire, parce qu'au début c'était quand même pire, mais vraiment pire. Et je me suis dit que je voulais aller dans le cliché, mais pas trop loin non plus, quoi. Histoire de rester un peu, enfin qu'elle soit pas si horrible. Après, bon, c'est pas le genre de Sims que je préfère, mais j'ai trouvé ça drôle. Voilà, donc évidemment une robe ras-la-moule pour le jour de fête, c'est important. Puis des bas, hein, 2 salopes, hein, clairement, parce que elle aime la bite et elle l'assume. Mais c'est important d'assumer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, si vous trouvez mes propos dégradants, sachez que c'est juste des Sims et que c'est juste pour rire. Les gens qui assument leur corps et qui foutent des robes ras la moule, mais moi
je suis fan de ces personnes-là et moi-même, je m'en bats les couilles et voilà. Et si ça se trouve, je serai comme cette personne à 50 ans, si je suis encore là. Donc bon, voilà, c'est juste de l'humour, alors détendez-vous, pétez un coup. Je reviens un peu sur Brian, n'est-ce pas? Parce que je règle sa voix déjà pour commencer. Je lui mets ses traits, donc matérialiste. Au début j'avais mis kleptomane, mais en fait j'ai mis ambitieux et actif. Comme ça je me suis dit, voilà, je leur mets leur super nom. Donc elle c'est Natalia, et je sais plus son nom, j'arrive pas à voir. Je sais plus, mais vous allez bien vous amuser, hein, je pense. Et là j'habille enfin Brian, donc je voulais un look un peu jeune mais classe, donc j'ai un peu cherché, j'ai un peu galéré, je vous avouerai. Finalement, on s'est mis d'accord avec Catalina pour cette chemise, parce que oui, elle était avec moi quand j'ai fait ses Sims, voilà, il était 3h du mat, tout se passait bien. Je raconte ma life, on s'en fout. Et c'est bientôt la fin de la vidéo, donc moi je vais vous dire au revoir, j'espère vraiment que cette famille vous aura plu, n'hésitez pas à voter, à commenter parce que ça me fait plaisir, j'adore répondre à vos commentaires, à partager, etc. Le pouce bleu, de l'amour, je vous envoie plein de cœurs et de paillettes et salut!